Ce samedi 28 janvier 2023, France 2 a diffusé le concert caritatif, le Gala des pièces jaunes. En tête d'affiche, le groupe féminin sud-coréen Blackpink a électrifié la scène. Retour sur ce phénomène musical planétaire. C'était ce samedi 28 janvier sur France 2. Le Gala des pièces jaunes est un concert en faveur des enfants hospitalisés, enregistré depuis le Zénith de Paris ce mercredi 25 janvier pendant près de 4 heures. Brigitte et Emmanuel Macron, Didier Deschamps et même le tennisman Roger Federer étaient présents dans le public pour encourager les artistes. Parmi les têtes d'affiche, les téléspectateurs ont pu voir sur scène Mika, Gims, Michel Polnareff ou encore Vianney. Le coach de The Voice s'est monté sur scène plusieurs fois pour interpréter entre autres le morceau « Bam » avec Mentissa. Le public a également eu la chance de voir sur scène Pharrell Williams, mais surtout le girls band coréen Blackpink, accompagné d'un violoniste, pour leur son « Shutdown ». Gestuelle électrisante, énergie spectaculaire, lumière, couleurs flashy et effets spéciaux, Blackpink est le nouveau groupe à succès. Le girls band à succès. Le groupe multinational est composé de 4 chanteuses danseuses, Jennie et Jisoo, âgées de 24 et 25 ans et toutes les deux sud-coréennes, ainsi que de Lisa, une thaïlandaise âgée de 23 ans et Rosée, sud-coréenne et néo-zélandaise de 23 ans. Si jeunes, et pourtant, elles sont déjà en pleine tournée mondiale. Leur dernier son, Shutdown, dans lequel se côtoient violon et rap, est entré sur toutes les radios, et depuis septembre 2021, Blackpink est l'artiste musical avec le plus d'abonnés sur YouTube. Derrière ce phénomène, se cache une puissante maison de disques de Séoul, YG Entertainment, qui a également propulsé Psy et son tube Gangnam Style il y a quelques années. Le processus est rude mais efficace, à l'instar du boys band BTS, la maison de disques sélectionne des adolescentes sud-coréennes à la suite d'un casting à plusieurs étapes. Les artistes sélectionnés sont ensuite entraînés durement, elles perfectionnent leurs aptitudes en chant et en danse. Avec 52 millions d'abonnés sur Instagram, les 4 chanteuses sont devenues de vraies influences, et les plus grandes marques se battent pour les habiller, Dior, Chanel, Céline et Yves Saint Laurent. Un véritable phénomène mondial, qui ne risque pas de s'arrêter là.